Bonjour. Bonjour, Fallon. Juste quelques notes d'avertissement pour mes chers followers. Vous ne pouvez pas vous attarder sur les douleurs parce que dans cette bataille, dans ce chemin que vous avez emprunté, vous aurez des victoires et des bâtons dans les roues. Merci pour les compliments. Bonjour. Tu dois arriver à un niveau où tu ne t'inquiètes plus quand tu découvres que quelqu'un te trahit ou quelqu'un t'a trahi ou quelqu'un t'a menti. C'est comme si, en fait, tu remarques que c'est même devenu comme un jeu. Je vous dis souvent que parfois tu avais le serpent. Tu découvres le serpent. Tu te tournes, tu dis au serpent à côté de toi que, hey serpent, voilà le serpent. Yeah, serpent, il m'a mordu. Serpent là, qui est à côté de toi, il a porté l'habit. Il te fait croire que il est un écureuil ou bien il est un je sais pas, un lion, quelque chose comme ça. Il est juste allé dans un. Il a eu un bon couturier pour coudre son costume. Tu te plains. Bonjour Dorcas. Tu te plains. Tu pleures. Hein? Hey, comment est-ce que le serpent a pu me faire ça? D'accord, le roi Xavier. Comment ce serpent a pu me faire ça? Et les serpents, vraiment. Vérifiez les gens à qui vous vous confiez. Vérifiez les gens à qui vous vous confiez. Les gens sont mesquins. Entre ceux qui vont vouloir venir vers toi pour prendre ta gloire. Et ceux qui vont venir, ils ne savent pas que la façon dont tu as échappé au serpent là. Eux-mêmes, tu vas leur échapper. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a plus la place pour la douleur. On ne parle plus de ses projets, oui, virgule. On ne parle plus non plus de ses problèmes. Tu rencontres un homme, tu lui dis, ah, maman, mon ex, il avait pris ma carte bancaire. Il allait dans mon compte, il a détourné de l'argent. Tu imagines? Ma soeur, elle est venue chez moi. Vraiment. Elle a pris mon mari. Tu en train de dire ça à ton gars. Ou tu dis à ton mari. Demain, il va encore chercher ta soeur. Le nouveau mari, là, il va chercher ta soeur demain.
Les êtres humains ont une capacité tellement rapide à se laisser pénétrer par n'importe quel esprit négatif. Et il est temps que tu sois intuitive plus que jamais dans ta vie. J'avais une amie. C'est avec elle que j'ai, bon, l'une des personnes qui m'a fait comprendre que tu ne peux pas avoir une amie qui est amie avec ton gars ou ton mari. Quand lui et moi, on avait des problèmes, il partait se confier à mon ami. Au départ, quand je parlais à la fille de certains de nos problèmes, un jour, je suis resté, on s'est dit que je ne lui dis plus rien. Je t'ai laissé tomber. Je vais te bloquer. Après, il reste un jour, on s'est dit que je ne lui parle même de mes problèmes. Pourquoi? Tu es là, tu es au niveau 50. Quelqu'un au niveau 2. Tu peux lui donner, tu peux lui dire, c'est comme si Dangote vient se confier chez moi. Je dis, mais monsieur Dangote, arrêtez. Il se réveille, il dit que ok, c'est bon. Je ne lui dis plus mes problèmes. Lui, il va lui dire. Elle vient vers moi, elle voit que je ne dis rien. Elle ne me dit pas que mon gars lui a dit qu'on avait des problèmes. Je ne sais pas si vous voyez un peu la mesdite. Pour moi, ce n'est pas tromper physiquement. Lisez les gens par leurs intentions. Quand Jésus a dit que tromper une femme, un homme, bon, quand tu regardes cette femme d'une façon pervertie, tu as déjà couché avec elle. Je pense qu'il parlait des dégâts que les intentions peuvent avoir. Tout commence dans l'esprit. Quand il me rencontre, il dit qu'il y est. Donc quand tu m'appelais avant-hier pour qu'on parle, pour oh, comment tu vas, il te dit que je suis pas d'humeur. Tu veux y parler à mon gars, tu savais. Et tu es venu devant moi, tu as fait comme si de rien n'était. Je sais que d'autres personnes ont pensé que, mais attends, non, pour moi, that is dangerous. Very dangerous. On est à l'aéroport ensemble. C'est toi qui venais à Douala. Samedi, quel samedi? Je vais voyager vendredi, pas samedi. Je vais voyager vendredi, mamie. Quel samedi? Et toi, la fille là, quand tu me suis, tu ne te laves pas au sel. Hein? Ne te lave pas toujours au sel, ne te lave pas. Je dois vous faire une deuxième partie de mon témoignage. Parce que pour l'instant, il y a encore certaines des parties de mon témoignage que c'est encore trop douloureux. Oui. Si je fais ça, je ne vais pas parler de la partie où j'ai perdu l'enfant. Parce que parler de perdre son enfant et parler ça, c'est très douloureux. Ce n'est pas un truc que je peux dire. Je peux m'asseoir devant vous et dire. Mais avoir. Ayez le dit donc. Lisez les gens. Moi, voici comment il fait pour détecter. Moi, les serpents, hein, vous, sachez que vous avez une protection angélique. Vous me suivez? Vous avez une protection angélique. Quand un serpent vient à côté de toi, toi, tu veux l'élever, tu l'encourages. Tu vois ce que ce serpent pourrait devenir. Waouh! Tout serpent a une bonne semence dans lui. Yes or yes? Il y a le bon dans le serpent. Hein? Il y a le bon dans le serpent. Bonjour Jacqueline. C'est seulement que son degré de méchanceté ou son ouverture à se laisser pénétrer par le démon
est trop grande. Jésus mangeait avec Judas. Il a dit, fais ce que tu as fait. La Bible dit, c'est alors que le diable est entré dans Judas. Judas n'était pas 24 sur 24 Judas. Il y avait des jours où Judas partait à l'offrande avec Jésus, il faisait les bonnes œuvres. Il faisait le salaire quand il nourrissait les gens. Premier signe de ton serpent. Il vient, tu l'encourages. Tu lui donnes une image de lui. Quand il part, il ne tient pas. Parce que l'énergie vitale, le cœur, le boubou, qui est ici, ce n'est pas pu. Donc quand il part, il est seul de son côté. Il y aura un dysfonctionnement. Waouh! Oui, je fais des lavages âme sœur. Stécie, je ne fais pas la lecture maintenant. Donc si tu te déplaces, déplace-toi en paix, s'il te plaît. Tu as compris, mamie? Il faut te déplacer en paix. La lecture de cartes, c'est un travail que je fais une fois tous les 10 jours. Ce n'est pas tous les jours que je fais la lecture. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. Vous me regardez. Le thème porte sur quoi? J'ai mis un titre avant de faire ce direct. Tu peux aller regarder le titre là, monsieur ou madame. Tu inspires la personne. Tu motives la personne. Tu peux même déposer son CV quelque part. Tu crées même sa page pour lui ou pour elle. Que regarde, j'ai créé ta page. Tu peux faire des vidéos, tu sais ça. Tu pourrais chanter, tu sais ça. Comme tu as parlé, le cœur de la personne ne peut pas saisir parce que c'est un serpent. Deuxième signe de ton serpent. Je définis bien le serpent, c'est celui-là qui est à côté de toi. Il fait comme s'il était ton ami. Alors que derrière ou dans son cœur, il te déteste. Deuxième signe de ton serpent. Tu commences quelque chose avec la personne. Ça ne marche pas vite. Voilà, tu as formé quelqu'un. La personne prend ta clientèle. Ce que tu dois faire, tout est spirituel. Premièrement, dans l'invisible, tu te concentres. Tout client qui est le mien reviendra à moi ou bien viendra à moi. On ne vole pas quelqu'un qui est spirituel. Donc tu dois me changer déjà ça. Tes mauvais clients sont partis vers lui. Et même là-bas, ils ne vont pas durer. J'ai traversé tout ça le roi Xavier. Ton gars ne veut pas que tu travailles, il veut que tu dépendes de lui. Tu as besoin encore quoi? Tu as besoin de quoi d'autre, chérie? Tout est là dans ce que tu as dit. Si tu veux être esclave, tu continues à rester là-bas. Sinon, tu le quittes. Écoutez, à une époque, j'avais une dame avec qui je travaillais, qui m'a approché. Oh, ma jumelle, oh! Et pendant une période de ma vie, quand j'étais enceinte, ça fait 1 an et demi, non 2 ans, j'étais très fatiguée. Donc, il y a quelques clients que je lui avais donnés. Et ces clients étaient tombés sur ma page. Donc,
Elle les a consultés. Parce qu'il y a eu une période de 3-4 mois pendant ma grossesse où j'arrivais à rien faire. Une a eu le courage de revenir vers moi et me dire que voilà. Et celle-là en particulier, elle était dans mon groupe. Je travaille sur tout le monde, je travaille sur elle, ça ne donne pas. Je travaille sur tout le monde, je travaille sur elle. Et je connais, je vous dis que mes gens qui viennent à moi pour le travail spirituel connaissent. C'est pour ça qu'ils ne forcent jamais quelqu'un. Et je travaille quand j'ai le feu vert. Donc même pour les lectures, quand vous venez, que oh, oh, oh. Si tu es pressé pour ta lecture, ne paye pas. Parce que quand je te lis, ça veut dire que je tape dans ton énergie pour te donner ce que tu vas faire pour te guérir, pour te monter un peu de ton futur, que tu connais déjà. Donc je dois être connecté. Et je suis chef d'entreprise. Ici, à Douala, j'ai 5 campus.